Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'établir une liaison avec l'appareil près du camp Cuddle, du circuit Shonker ou de Daily Buggles. Alors pour réaliser ce défi, vous allez soit vous rendre à Daily Buggles, qui est juste ici, soit vous rendre au camp Cuddle, voilà, qui est juste ici, ou alors au circuit Shonker, qui est juste là. Donc moi je vais aller me rendre à Daily Buggles, mais il faut savoir qu'à chaque emplacement, il y a 3 emplacements d'appareils de liaison. Donc je vais vous montrer les emplacements qui se trouvent à Circuit Shonker. Donc il y en a un plus ou moins par ici, vers la piste. Il y en a un qui se trouve plus ou moins vers le haut du Circuit Shonker. Et il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici, vers la droite. Donc je vais vous montrer ceux du camp Cuddle. Au camp Cuddle, il y a une liaison qui se trouve plus ou moins au bord de l'eau ici, un peu plus haut, au-dessus de la maison rose, et ici vers la maison verte, juste à l'entrée de la maison verte de gauche. Et là, à Daily Buggles, il y a un emplacement de liaison qui se trouve juste ici à l'interaction des chemins de terre. Il y a un autre emplacement qui se trouve en dessous du dirigeable, et il y a un autre emplacement qui se trouve vers la droite, ici vers l'entrée du volcan. Donc moi, je vais me rendre à droite de l'entrée du volcan, chercher l'appareil de liaison. De toute façon, si vous passez à côté, vous ne pouvez pas le louper parce que c'est un gros truc qui lume bleu. Et en plus, sur la map, il est affiché, donc vous ne devriez pas le louper. Donc là, regardez, il est en dessous de moi. On peut le voir, il est tout en bleu. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur le logo. Donc dès que vous aurez passé sur le logo, comme je vais le faire. Donc attendez, je vais peut-être prendre une petite miniature. Voilà, comme ceci. Hop, maintenant je passe dessus. Et dès que vous aurez passé sur le logo, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.